faire une comparaison entre les positions actives et passives à partir de la théorie de Rankine dans le logiciel. On nous donne un matériau, serre sable, pulvérisant, avec le poids volumique 20 kN par mètre cube, angle de frottement interne 30 degrés, et la cohésion est nulle parce qu'il n'y a pas de cohésion. On a vu dans le cours, quand on veut déterminer de manière générale la poussée, sigma prime H va être égal à Ka par gamma Z plus Q, parce que là c'est la contrainte en plus la surcharge, et ensuite moins 2C prime par racine carrée de Ka avec le terme cohésion dans le cas de traction. Donc comme la cohésion est nulle, c'est un sol pulvérisant, ce terme-là va être égal à 0. Et comme il n'y a pas également de surcharge, on aura seulement Ka par gamma Z. La force active va nous donner Ka par gamma H carré sur 2. On sait comment déterminer Ka. Ka, c'est tangente carré de 45 ou bien pi sur 4 moins pi sur 2. Il suffit de remplacer ces valeurs par l'expression et on aura la force active qui va être égale à 334 kN. On a vu dans le cours que la distribution concernant la force active, c'est une distribution triangulaire. Donc, à ce moment-là, ça, comme en termes de centre de gravité, ça va s'appliquer au tiers de la hauteur. Ou bien la force horizontale qui va s'appliquer sur les parois, ici, va être s'appliquer à un tiers de cette hauteur-là. Nous avons une excavation de 10 mètres. On a 5, 10, en abscisse, 15, 20. Donc, l'excavation, ça va de 10 à 20. 13.33, on applique la charge horizontale qui va être appliquée. C'est le premier aspect à faire dans le logiciel, calculer la force active et connaître exactement l'endroit où va appliquer cette force active dans la distribution triangulaire qu'on vient de voir dans le cours. Vous savez déjà dans le logiciel comment esquisser le massif et comment ajouter un matériau dans le massif. C'est un matériau sableux ici avec gamma égal à 20 kN par mètre cube. Et l'angle de frottement interne, 30 degrés, à partir de l'état mort-coulant. On va tenir compte de cet aspect mort-coulant pour qu'on puisse intégrer les trois paramètres demandés dans le logiciel, gamma, l'angle de frottement interne, et ensuite la cohésion qui est nulle. Une fois esquissé le massif avec l'excavation qu'on a, on définit le matériau, on applique la charge horizontale au tiers de la distribution triangulaire, on peut déterminer la stabilité de cette excavation. On doit utiliser des zones d'entrée et de sortie. Dans la force de pousser, c'est le massif qui va pousser le mur, un mouvement qui va se faire de gauche à droite. La direction du mouvement que vous devez choisir dans le logiciel pour la surface de glissement, c'est de gauche à droite. La zone d'entrée, c'est ici. Mais la zone de sortie, cette fois-ci, c'est au pied de l'excavation. Pour la zone d'entrée, vous avez une plage et la zone de sortie est à ce niveau-là, dans ce point. Maintenant, vous pouvez lancer votre analyse. Vous allez trouver un facteur de sécurité de 1,025. Vous voyez que le massif est à la limite de la rupture parce que vous avez un coefficient qui est égal à 1,025. On doit utiliser des méthodes de renforcement pour que ce sol puisse tenir. Et les méthodes de renforcement, on peut utiliser le clouage, les ancrages, les géosynthétiques, et les pieux pour qu'on puisse tenir le sol. Ou bien, on peut utiliser les parois de palpant. Une fois qu'on va appliquer ces méthodes de renforcement sur le sol, vous allez voir que le facteur de sécurité va augmenter et ça va stabiliser, ça va rendre plus stable ce talus. En termes de comparaison des pressions actives et passives, toujours avec la théorie de Rankine, nous avons vu dans la théorie de Rankine que la force de butée est égale à sigma prime H égale à Kp par gamma Z plus Q plus 2C prime par racine carrée de Kp. Dans les données du problème, le C est égal à 0, le Q pour la surcharge est égal à 0, vous aurez uniquement le Kp multiplié par gamma Z, le gamma Z qui est la contrainte. Il suffit de déterminer maintenant la force passive, parce que ça, c'est la contrainte. Maintenant, on doit déterminer la force passive qu'on va appliquer sur la paroi. La force passive est égale à Kp par gamma H carré sur 2, égale à tangente carré de 45 ou bien pi sur 4 plus phi sur 2,
par gamma h carré sur 2. Donc, ça nous donne une force passive qui est égale à 3000 kN. Vous avez une hauteur de 10 mètres, vous divisez 10 par 3 et vous appliquez la charge passive qui est de 3000 kN. Dans la force passive, c'est le mur maintenant ou bien la paroi qui va pousser le sol. Donc, c'est un mouvement qui va se faire à l'externe. Donc, ça va sortir de droite à gauche. Dans le logiciel, vous allez dans surface de glissement, direction du mouvement de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Mais vous devez à côté également cliquer mode passif. Une fois cliqué mode passif, vous faites la direction de droite à gauche. La zone d'entrée maintenant, c'est le pied du talon. Vous choisissez point au lieu de plage, vous mettez le point et la zone de sortie maintenant, c'est ici. La distribution triangulaire dans le cas passif est plus grande que la distribution triangulaire dans le cas actif et la force appliquée à l'horizontale est beaucoup plus grande. L'effet va être beaucoup plus grand. Donc, une fois c'est fait, on lance le calcul. La direction va se faire de droite à gauche. Le massif va se diriger de bas en haut. Maintenant, on a un facteur de sécurité qui est égal à 1,008. On est encore à la limite de l'instabilité, on doit utiliser des méthodes de renforcement et on fait le calcul afin d'augmenter le facteur de sécurité. En utilisant les pattes blanches, dans les pattes blanches, on doit avoir une fiche qui va être insérée au niveau du sol. Les pattes blanches doivent avoir tout à la hauteur du massif ici. Et là, dans le cadre de cette modélisation, j'ai utilisé des ancrages pour pouvoir tenir ces pattes blanches et ces deux types de renforcement utilisé dans le cadre de cette étude nous montre qu'on peut atteindre un facteur de sécurité de 1,524 qui est supérieur à 1,4. Ça va amplement et assurer la stabilité de notre talon. Dans le cas actif, les forces que vous allez regarder au pied des tranches que vous allez utiliser dans le cadre du logiciel, donc ces forces-là se dirigent de bas en haut. OK, c'est contraire par rapport à la direction du massif. Le massif de sol qui va se déplacer va se faire de haut en bas. Comme dans le cas de la direction du mouvement, ça va se faire de haut dans la zone d'entrée vers le bas. Et dans le cas passif, on a la zone d'entrée au pied du talus en termes de points et ça va monter vers la surface. Pour la force de butée, ça va partir du pied pour aller vers la surface. Donc, tout le massif va suivre cette direction de bas en haut. Alors que quand vous regardez à l'intérieur du logiciel, les tranches, les différentes tranches analysées, vous allez voir que cette force va subir une direction de haut en bas.